I don't wanna live my life for you, live my life for you. All over the news, only God now I know they got nothing I do, they got nothing we do. When I thank God, I got it. Say God, oh, I'm God to be. Oh, look, man, I ain't comforting me. When these people, they come back to me. When I thank God, I got it. Say God, oh, I'm God to be. Oh, look, man, I ain't comforting me. When these people, they come back to me. It's why I die sometimes. Dark veil, redeem. Donc je suis allée à l'immigration, j'ai fait exprès d'arriver à 8h, enfin avant 8h, pour arriver dans les premiers. Et en fait il faut un masque, donc là je vais aller acheter un masque. Les gars, vous allez pas croire l'heure qu'il est. Il est 11h55. J'ai passé toute la matinée là-bas, à l'immigration. Donc là, je rentre vite parce que j'étais censée travailler ce matin. Donc je rentre vite et je prendrai un temps pour discuter avec vous après. Je suis rentrée. Je crois que j'ai même pas dit bonjour dans ce vlog. Je voulais faire une journée avec moi. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ce matin, j'ai fait ma carte de résident et ma carte de... Bon, je suis allée m'enregistrer. J'aurais dû le faire avant. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Normalement, si vous êtes citoyen européen, vous avez 90 jours pour vous enregistrer à l'immigration. Donc moi je suis allée là-bas avec mon contrat de travail, mon contrat de location, donc ça allait. Donc n'oubliez pas de faire ça si jamais vous expatriez ou si vous pensez vous expatrier en Hongrie. Et du coup là, c'est bon, tout est fait. Donc vous venez juste avec votre passeport. J'ai payé 1000 forints, donc à peu près 3 euros pour faire ça. Donc ça va. Et là ensuite ils vont m'envoyer une adresse carte parce qu'en fait ici en Hongrie on a des cartes d'adresse. En fait c'est là où à chaque fois que vous déménagez en fait vous devez changer votre carte d'adresse. Et bon, en tout cas si vous voulez plus de détails peut-être que j'en ferai une vidéo sur les démarches que j'ai fait, etc. Parce que c'est vrai que moi au début j'étais assez perdue sur ce qu'il fallait faire et tout. Quand on arrive dans un pays c'est compliqué de savoir... un peu ce qui se passe, donc faut se renseigner à gauche, à droite. Oui, une chose que vous devez savoir si jamais vous voulez aller faire vos papiers, etc. à l'immigration, prenez un demi-jour de congé, une journée de congé, parce que là, je suis partie à 8h à l'ouverture. J'étais censée rentrer à 10h pour pouvoir travailler. Et me voilà, il est midi et je viens de rentrer. Donc voilà, prévoyez vraiment du temps pour faire ça parce que... c'est long, l'administration c'est long.
Donc, du coup, là, je viens de rentrer. Je vais tout de suite me mettre à travailler. Moi, j'ai de la chance parce que je peux travailler de la maison. Donc, aujourd'hui, je vais travailler de la maison. C'est pour ça que j'ai pu me permettre quand même de rester là-bas un peu plus longtemps. Et après, je vais voir ce qui va se passer dans la journée. Je voulais vous montrer un peu une journée ici, ce que je fais, même s'il n'y a rien d'intéressant. Et après, ce soir, je vais aller faire les magasins. Parce que je dois m'acheter un maillot de bain parce que samedi on va aller dans un genre de spa. Ouais. Sorry. Merci. Oui, je suis. See ya. Je rigole toute seule depuis tout à l'heure parce qu'en fait mon copain, je lui prépare sa gamelle tous les soirs et du coup là en fait j'avais mis des restes de ces derniers jours dans une boîte et sa gamelle pour demain, pour aujourd'hui du coup, dans une autre boîte et là en fait il s'est trompé de boîte et il a pris la boîte où il y avait les restes sauf que c'était des restes de poulet rôti donc il y avait que des os qui restaient et moi j'aime bien manger les os et tout. Dites-moi si vous aussi vous aimez trop. Et là il a dit j'ai pas aimé ma gamelle aujourd'hui. Il y avait du poulet avec que des os. Regardez-moi cette montagne là. Ma phobie c'est vraiment les vêtements. Je déteste faire la lessive, étendre le linge, plier les vêtements, je déteste ça. Carrément, en fait, je lave les vêtements, je les étends. Et tellement j'ai la flemme de les plier, après on les reprend quand ils sont en train de sécher, quand c'est sec, on les met. Et au final, les vêtements, ils sont jamais rangés. Donc là, je vais m'y plier. Je vais m'y plier à plier les vêtements. Voilà, maintenant que tout est plié, on va tout mettre dans le dressing. Et là, c'est la partie où vous allez vous foutre de moi. On a chacune une partie dans chacun de nos côtés de tiroir. Donc, du coup, c'est là où on met nos sous-vêtements et tout. Et moi, j'ai pareil de mon côté. Et en fait, je peux pas ouvrir avec mes ongles. Je peux pas. Donc, j'ai pris un couteau comme ça pour pas abîmer. Mais ça marche. Putain, j'ai pas envie de l'abîmer. Si mon copain il voit ça, il va me tuer. Est-ce que ça l'a abîmé? Non, ça va, ça l'a pas abîmé. Bon, ben j'ai trouvé une technique. Qu'est-ce que je raconte? Je me suis un peu repréparée. J'ai réalisé que mon chignon, il était de travers depuis tout à l'heure. Il portait comme ça. Pardon pour ça, vous m'avez même pas dit vous aussi. Donc là du coup j'ai fini de travailler et je vais sortir du coup pour aller acheter mon maillot de bain. J'espère que je vais trouver quelque chose et à ma taille surtout parce que c'est une galère pour trouver des maillots de bain pour les grandes poitrines. Donc let's go. Bébé, il est gêné de filmer. Et ce que tu penses? J'aime bien ça et ça. Je pense que je vais aller avec ça. Mais est-ce qu'on peut pas enlever le... C'est pas haut ou bas. C'est juste séparé. Non, je parle de l'éponge. On se retrouve le jour d'après. Ça fait trop youtubeuse, vous voyez quand ils disent... Bon bref.
Hier, on est allé voir mon maillot de bain et tout. J'ai pas trouvé de maillot de bain que j'aimais bien. Ou sinon, il n'y avait pas ma taille. C'est compliqué de trouver des maillots de bain pour les grandes poitrines. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les sous-vêtements, c'est une galère. Donc les marques, faut se réveiller là. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais juste conclure la vidéo. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Attendez. Du coup, on est rentré. On a mangé et je me suis endormie devant la télé. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis quelqu'un. La télé, ça m'endort. Ça, c'est un fait sur moi. La télé, c'est une berceuse pour moi. Tu me mets devant la télé. C'est rare que je finisse des films, franchement. Et du coup, je me suis endormie, j'étais KO. Après, je suis allée dormir parce que, voilà, j'étais vraiment KO. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment une journée avec moi dans un jour de semaine. Je fais pas de trucs de fou, je travaille, je range la maison. Enfin, rien de ouf. C'est pas qu'on habite dans un pays étranger. Quand on s'expatrie, que c'est les vacances tous les jours, non, il y a des jours où c'est comme monsieur et madame tout le monde. Donc j'espère que ça vous a plu là, de voir un peu ce que je fais. Et aussi j'ai réalisé que j'oublie tout le temps de le dire, je fais même pas exprès. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager ma vidéo, de commenter surtout. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, est-ce que vous étudiez, est-ce que vous allez au travail, racontez-moi un peu vos vies. Et voilà, j'oublie tout le temps de le dire, mais voilà, en fait j'ai l'impression juste que je parle à ma caméra et du coup j'oublie tout le temps que je vais poster cette vidéo, qu'elle va être publique en fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.